Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. On va parler de graphes et de la fameuse propriété de la somme des degrés des sommets, qu'on appelle aussi parfois le lemme des poignées de main. Le lemme, c'est un petit théorème en fait. Alors pourquoi le lemme des poignées de main? On va en parler un tout petit peu dans cette vidéo. Je vous propose trois situations hantées par le nombre 7 qui font référence à cette propriété. Première situation, on considère un heptagone, donc un polygone à 7 côtés, avec ses diagonales, hein, et on va considérer que chaque arête constitue un segment. Donc on obtient un graphe complet. On vous demande le nombre de segments sur cette figure. Je l'ai posé afin d'avoir un petit visuel, hein. Donc qu'est-ce que ça peut donner? Et bien justement, on va se pencher sur la somme des degrés. Donc déjà le degré de chaque sommet. Et bien on constate que c'est 6 déjà. Alors pourquoi? Eh bien, on peut évidemment les dénombrer puisque ici, la figure est relativement simple, hein, 7 côtés, mais on pourrait partir sur une figure beaucoup plus compliquée. Si on les trace, tous ces segments, voilà ce que ça peut donner. Donc on a affaire à un graphe complet d'ordre 7 et dans votre cours, il est bien précisé, et c'est plutôt intuitif d'ailleurs, hein, qu'un graphe complet d'ordre n admet n sommets qui ont chacun pour degré n-1. La somme des degrés de chaque sommet, c'est donc 6 plus 6 plus 6, etc. C'est-à-dire 7 fois 6, 42. Or, d'après le lemme des poignées de main, le lemme des poignées de main nous annonce que la somme des degrés de chaque sommet est égale au double du nombre total d'arêtes. Et donc ici, si on a une somme égale à 42, eh bien, le nombre d'arêtes, ça va être donc la moitié de 42, c'est-à-dire 21 arêtes. 21 arêtes que je vais me faire une joie de dénombrer ici, en jaune. On les compte et ça fonctionne bien, hein. Si je pars d'un sommet, j'en ai 1, 2, 3, 4. Sommet suivant, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 plus les 7, évidemment, du tour, qui donne donc bien 21, tout va bien. Donc voilà une application du nombre d'arêtes. On focalise sur les sommets en fait et le degré de chaque sommet. Situation 2. 7 amis, toujours 7, se saluent en se serrant la main. Combien de poignées de main vont être échangées? Ici on considéra qu'une poignée de main c'est donc une arête d'un graphe d'ordre 7, hein, toujours. Et donc, eh ben, quand on y réfléchit, la situation revient exactement à celle qu'on vient d'étudier préalablement. Les 7 amis, ce sont les 7 sommets de votre heptagone précédent. Et donc, le nombre d'arêtes total, on vient d'en parler, c'est 21. 21 poignées de main, 21 poignées de main vont être échangées. C'est cette situation assez typique qui a donné son nom à ce petit lemme, le lemme des poignées de main. Donc. Situation 3, c'est cet ami, toujours eux, veulent organiser un tournoi de combat de pouce où chaque joueur en rencontre 3 autres. Comment les aider? Question ouverte. Alors on va pouvoir modéliser ça, encore une fois, par un graphe d'ordre 7. En revanche, l'énoncé nous impose que le degré de chaque sommet doit être 3 ici, vu qu'on aura 3 rencontres par personne. Et donc, si on s'intéresse à la somme des degrés de chaque sommet, on va avoir 7 fois 3, c'est-à-dire 21. La somme des degrés fait ici 21. Donc d'après le lemme précédent, le lemme des poignées de main, on devrait avoir 21 divisé par 2, c'est-à-dire 10,5, arêtes dans ce graphe. Ce qui est évidemment totalement impossible. Donc comment aider ces 7 amis? Eh bien en leur disant que le tournoi n'est pas réalisable. Ce n'est pas possible en fait. La somme des degrés doit être un nombre pair. C'est nécessaire. C'est une condition de constructibilité d'un graphe. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura éclairé par rapport à cette propriété de la somme des degrés. J'espère que tout aura été clair. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à le signaler en commentaire pour que je puisse répondre à vos questions. Et puis, en revanche, si tout est clair, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !